Baki, Daksha. Personne t'a invité. Où as-tu été élevé? Je te demande pardon, mais mes cartes de visite sont toutes mouillées. Je m'appelle Adam Dyer. T'as une drôle de conception des bouées de sauvetage. La loi de l'offre et de la demande. J'aime bien rendre service, mais ça n'arrête pas d'augmenter le prix de la vie. Et mes actions sont en baisse. On dirait même qu'elles boivent un drôle de bouillon aujourd'hui. Oui, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh, on ne vit pas d'espoir. J'ai l'impression que tu essayes de me tendre une perche. Oh, tu as cette impression? Oui. C'est à toi de savoir si tu veux la saisir. J'ai tout le temps, rien ne presse. $500 en or. $500? Eh. Où ça? Dans le décolleté. Je suis soulagé. Donnez-lui un verre d'eau, il l'a payé d'avance. Ah, oui, ça va. C'est suffisant. J'en ai pour mon argent. Il était un petit navire. Thank you.
Ces types-là tueraient père et mère pour prendre ton pognon. Tu sais tirer des hommes le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est un don. Oh. Oh. La pêche est bonne, pour une fois. De mes leçons. J'ai été à bonne école. Et si j'essayais de te parler, ça ne servirait à rien. Mais si, voyons, tu pourrais dire au revoir, mon vieux, et bon vent. Je m'appelle Josh Corey. Enchanté de t'avoir connu. Poste. Ah, je suis désolé, mais pour moi, le grec, c'est du chinois. Ah, qui est-ce que vous faites ici, vous? Mais qui êtes-vous? Moi, capitaine Kyriakos Papadopoulos. Ah, enchanté, Adam. Ah, mais moi aussi, je suis très heureux. Et ça, c'est le bateau de Mitsos Andreadis, le cousin de ma femme par son nom. Ah, votre femme a un nom? Oui. Comment il s'appelle? Mitsos Andreadis. Ah, Mitsos. Ben, ah, hélas, Mitsos a été victime d'un accident. D'un accident? Il a vu au large, il a perdu la jambe, il s'est cassé le bras, et c'est partout, il a reçu le chargement sur la tête. Ah oui, oh là, ça. Ah, puis j'ai autre chose à vous dire. Il est sur le chemin du retour, mais sur un autre navire. Attendez, non, mais vous en faites pas, tout va bien. Mais monsieur... Allons tous à Messine, pêcher la Sarre. Allons tous à Messine, pêcher la Sarre. Ceux qui franchissent cette porte sont les plus heureux marins du monde. Bon, après tout, c'est peut-être vrai. À Messine pêcher. Tous les agréments d'un foyer bourgeois. On s'est mis en quatre. Et l'intérieur vaut la façade. Qu'est-ce que je vous offre d'abord? Oh, madame. Merci, mais comment vous dire? Oh, pardon, vous n'êtes pas du tout celle que je croyais. Je m'appelle Bolek. Oh, bah, vous en avez de la veine. Vous seriez gentil d'aller manger ça un peu plus loin. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, madame... Corée, c'est un nom qui te dit quelque chose? Tu changes de nom comme de chemise. Est-ce que tu es certain de ne rien avoir à me dire? Ben, ma foi, si, mais on a bien le temps. Hein. Rien de presse. Je n'ai pas le temps. Voilà. Un bateau part d'un port grec avec notre ami Corée à bord. Il arrive ici avec toi et tu as le revolver de toi. Hey, pastoi bratko. Ah, mais faites attention au mobilier. Ferme-la, on a compris. Ça va, ferme-la. Bon, si vous m'avez compris, c'est très bien. Je te posais une question, je crois. Alors, on t'écoute. Oui, raconte. Oh. Je serais ravi de t'entendre. J'adore les histoires drôles. Qui c'est ce gars-là, Joss? Un type qui a besoin d'un copain.
J'aurais pas pu dire mieux moi-même. Où sont les autres? Ils apprennent les langues étrangères. La leçon est finie, qu'ils se rhabillent. D'accord. Vous deux, retournez au bateau. Je te permets de m'offrir un verre. Oh, merci. Madame. Allons tous à Messine, pêcher la sardine. Allez, ça va, je donne ma langue gauche. Hein. Tu t'en es sorti comment, hein? Grâce à l'obligeance des gardes-côtes. Avec tous les contrebandiers et les pirates. Et sans oublier la guerre civile turque. On n'est pas en sécurité par ici, d'après eux. Mais ça, c'est vrai, je le sais par expérience. Mais personne t'a cuisiné, tu les as pas intrigués? Oh, j'aurais voulu que tu sois là, j'ai été bouleversant. Tout le monde avait la larme à l'œil. Quand j'ai raconté que le bateau que j'avais acheté a sombré, ma jolie gueule et ton nom, ça a marché. Ah, tu m'as dénoncé. Ça leur a donné confiance. Oh, salaud, j'espère que tu as estampillé mon nom. Comment est-ce que tu t'es démerdé pour arriver ici? En suivant une étoile. Tu arrives un peu tard, ça s'est déjà fait. Donc, tu fais concurrence à la Légion étrangère? Celle-ci paye mieux. Nous ne sommes pas pour les étoiles. Dans l'étoile dont je te parle, c'est un bateau qui est à moi et que je recherche. Oui, c'est ça ton étoile. Mais il y a autre chose. Nous sommes, toi et moi, des opportunistes à la recherche d'une occasion. Moi, je ne veux que ce qui m'appartient. Oh, moi, je ne suis pas aussi pointueux. Je la reconnais. Et sans vouloir critiquer tes copains, je trouve qu'ils n'ont pas l'air très délicats non plus. La gloire ne paye plus, tu sais. Ils ont été obligés de mettre leurs décorations au clou. Quand ça va mal, on appelle Dieu et le soldat. Quand c'est fini, on se désintéresse de Dieu et on oublie le soldat. Vainqueur ou vaincu, c'est le même truc. Les gars et moi, on continue à se faire la main pour la prochaine. Les temps changent. Mais pas les gens. Les professionnels sont toujours très demandés. Les gardes-côtes viennent contrôler la véracité de ton histoire. Ton nom n'a pas le répondant que je croyais. Ah ben, ça t'apprendra à t'en servir. Ah, j'avais oublié de te dire une chose. Elle n'était pas à moi. Quoi? La barque. Ça, tu vois, c'est malhonnête. Ben oui, je sais bien. À la tienne. Vous les reconnaissez? C'est celui là-bas. C'est lui, le voilà. Où est mon cousin? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est lui, vous en êtes sûr? J'en donnerai ma tête. Vous? Oui, capitaine. Ce monsieur a porté de très graves accusations contre vous. Ah oui? Il dit que vous avez volé le bateau de Mitsos Andreadis. Assassin criminel. Qu'est-ce que tu as fait? Avec calme. Qu'est-ce que vous avez à dire? Eh bien, je suis désolé, mais je vous jure que je n'ai jamais vu ce monsieur. Tiens, bois un coup, ça te remontera. Vous connaissez monsieur? Ce type? Je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi il me parle. La monde de Mixos, on l'a tué. Sinon, on n'aurait jamais pu la prendre. Désolé, messieurs, je suis obligé de vous arrêter. Balek! Ah! Adieu le mobilier.
vous interdit de venir derrière le bar. Oh, quel gâchis, c'est désolant. C'est toi qui paieras les pots cassés, regarde ça. C'est toi qui vas payer. Regardez les enfants, les voilà. Admirez-les, ces merveilles. Des Thompson. Tu déclares une guerre maintenant? Non, il y en a une qui m'attend. C'est joli, hein? Ah, oui. Je sais que t'as rien du volontaire qui va en découdre pour une noble cause. C'est pas le cas. Je soutiens qui me paye. Qui te paye? Ce mois-ci. C'est le sultan de Turquie. Il semble bien que les paysans aient un type qui s'appelle Mustafa Kayan essaie de renverser le système. Le système est pourri. Qui est-ce qui dit ça? Kayan et le peuple. Aucun intérêt. Le sultan a les moyens de payer, pas le peuple. Mais s'il se fait battre, ton sultan? Ce serait étonnant. Le sultan a le soutien de l'armée grecque, son allié. Si ça tourne mal, on peut passer de l'autre côté avec armes et bagages. Ah oui, du côté du Manche. Alors, c'est pratique quand on s'embarrasse de rien. Voilà, Joss. Avec tout ce qu'on a comme munitions, on peut se battre 10 ans. Ouais. Ah, que devient Volen? Pas de nouvelles de lui? Il nous attend en Turquie, comme prévu. Ah. Prends ça. Je veux que tu aies l'impression d'être des nôtres. J'ai surtout l'impression que je vais risquer ma peau. Il faut toujours jouer sa vie. Mais quand on joue gagnant. Volen! Où est ce village? À 12 kilomètres à l'intérieur. Il n'y a que des mômes et des vieillards. Très bien, alors emmène les gars. Et après? On va prendre contact avec nous, c'est les règles du jeu. Combien de fois cette vallée a pu être réduite en cendres depuis 1000 ans? Autant de fois qu'on a rebâti les villages.
C'est ça la force d'un pays, Joss. L'amour de sa terre. Quoi qu'il arrive, les gens reviennent au même endroit. Il y en a qui n'acceptent pas cette vie-là. Question de caractère. Paysan ou nomade, il y a des types à notre droite. Merci des renseignements. Ils nous suivent depuis une heure. Tard, Joss. Une autre bande de vautours a dû te précéder. Oui. Coupez les cordes. Les vautours sont encore là. Ils sont même déjà encerclés. Je voudrais éviter un carnage inutile de vos chevaux. Ne laisse pas bluffer, Joss. Permettez-moi de vous offrir toute l'hospitalité de la Turquie. Messieurs, vous avez la tête de l'emploi, mais les armes me surprennent. Je présume que vous n'êtes pas ici pour admirer le paysage. Vous avez deviné. Avec votre autorisation, je me présente. Colonel Hamed Elchi. Ex-commandant de la garde impériale, est aujourd'hui au service d'Osman Bey, gouverneur du sultan. Joss Corey, ex-élève de l'école communale. Oh, j'en étais sûr. On sent que t'as fait des études, toi. Que peut-on faire pour vous, colonel? Peut-être, monsieur, est-ce à moi de dire en quoi puis-je vous rendre service. Dans ces heures difficiles, la Turquie a toujours besoin de la technique occidentale. 45 de calibre. Peut tirer 400 coups à la minute, complètement automatique. Qu'elle vienne ou non d'inconnus, nous devons sûrement profiter d'une chance pareille. Venez avec moi prendre des rafraîchissements. Parlez de cette chance dont vous avez hâte de profiter. Ça ne vaut pas une terrasse aux Champs-Élysées, mais c'est mieux que rien. Après vous. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, messieurs. Oh.
désolant. Je regrette d'avoir gâché le décor, colonel. Un incident regrettable. J'ai proposé une chose qu'ils n'ont pas acceptée. Je vais proposer à nouveau quelque chose. Venez avec nous à Balekezir et voyez les plaies que 8 ans de bataille et de révolution ont faites à la Turquie. Nous ne sommes pas riches, mais il nous est possible de récompenser ceux qui nous épaulent. Ça manque singulièrement de précision. C'est le cas de bien des choses. Je n'ai qu'un conseil à vous donner. Ayez confiance en mes excellentes intentions. Ce verre est ébréché. C'est de cette façon qu'on sert un officier turc. Une grenade! Vous comprenez maintenant. Ces partisans de Mustafa Kayan sont des gens extrêmement déplaisants. Comme je vous le disais, si vous lâchez un peu la bride... Un peu de sang-froid, colonel. Tiens, tiens, tiens. Un gentil jardin d'Éden en miniature. Adam et Ève, la grenade et le fruit défendu. Fais attention au serpent, maintenant. Ne joue pas aux petits soldats. Je m'en garderai bien. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un maladroit avec un revolver. Colonel, je regrette, mais mon ami est plus élevé en grade que vous. Il était dès le berceau général de l'armée du salut. On ne manquera pas de nouvelles occasions. Nous avons une longue route à faire, monsieur. Excusez-moi, mais en dehors des bonnes intentions du colonel, j'aimerais avoir des bases plus précises. Hein? Combien? C'est quelqu'un de plus haut placé qui prendra toutes les dispositions quand nous sommes à Balekezir. Hein? Ça coûte rien de se renseigner, non? Allons. Tu es dans le coup, ta décision est prise? Pourquoi pas? La Grande Guerre m'a tout fait perdre. Peut-être que j'en rattraperai un peu dans une petite. J'avais raison. Tu piges très vite. Oui. Asker! Daha yürü işte! Yalla! Les collines sont infestées de rebelles et de bandits. Je vous conseille de rester groupés. Il nous serait très désagréable de perdre ces nobles compagnons. Oh, votre intention est très touchante, colonel, mais ne vous en faites pas pour nous. Yeah! Ça me fait penser à la guerre contre les Indiens en Amérique. On appelle Gary Oven à la rescousse. Je ne connais pas ce type. Une chanson de marche de ce temps-là. Thank you.
capitaine Enver va s'occuper de vos hommes. Venez avec moi. Elinde bir takım silahlar var. İşimize yarayabilir. Ne dersiniz? Bu makineyi tüfeğe getirin. Je peux? L'avertissement est fini. Allez vous amuser, les enfants. Je suis Osman Bey, gouverneur de cette province. Nous recevons rarement des missionnaires de votre calibre en Turquie. Il est malheureux que vous arriviez ici alors que tout va si mal. Mustafa Khayyam a enfoncé les lignes défendues par nos alliés grecs à Afyon. Les rebelles arriveront à nos portes dans quelques jours à peine. Alors c'est une soirée d'adieu, cette petite fête? Mais si les renforts du sultan arrivaient à temps, nous pourrions tenir Balıkesir. La force des renforts, c'est de ne jamais être là lorsqu'on a besoin d'eux. Ah! Mais au moment le plus imprévu, parfois, le secours vous tombe du ciel. Est-ce que ça vous intéresse, 10 000 livres sterling? Oui, ça nous intéresse, mais moitié moins que 20 000 livres. 5 000 tout de suite et je vous verserai le solde quand la mission sera terminée. Je vous ai dit que ça m'intéressait, mais pas que l'affaire était conclue. Quelle est la mission? Un pèlerinage à la Mecque. C'est une entreprise pleine de dangers autant ici en Turquie qu'en Syrie et en Palestine. Vous voulez que nous servions d'escorte à une bande de tordus qui vont à la Mecque? En direction de la Mecque. À un moment donné, bifurquer et aller vers le Caire. Le Caire? 1800 km par voie de terre. Ce serait plus simple d'y aller en bateau. C'est juste, mais les Anglais ont peur que notre petite guerre gagne d'autres pays voisins. Aussi, ils font blocus de la côte. Aucun navire turc ne peut quitter les eaux territoriales. Un bateau américain le pourrait. Ben, tu vois, je ne serais pas venu pour rien. Mm-hmm. Bon, voilà. Ma famille possédait 3 petits cargos. Pendant la Grande Guerre, 2 furent coulés. Avec tout leur équipage, mon père et mon frère étaient du nombre. Je commandais le 3e bateau quand il a été capturé par un croiseur allemand. Il y a très peu de temps, j'ai fini par découvrir que les Allemands l'avait refilé aux Turcs. Ce bateau est dans un de nos ports? À Smyrne, où il a été rebaptisé Étoile de l'Islam. Ta fameuse étoile? Ma fameuse étoile. La restitution à son vrai propriétaire d'un bien considéré comme capture de guerre peut être une affaire dont on ne voit jamais la fin. À moins de connaître une personne au placé. Tel qu'un représentant du gouvernement, n'est-ce pas? Un gouverneur compréhensif. 20 000 livres sterling et le navire. C'est une somme assez considérable pour une simple escorte, n'est-ce pas? Surtout quand on a des troupes à sa disposition. Malheureusement, un uniforme ne garantit pas la loyauté de celui qui le porte. C'est une époque redoutable. Il y a des personnes qui me touchent de près auxquelles je voudrais épargner de courir un risque inutile. Mustafa Khayyam a des sympathisants qui contrôlent la plus grande partie de la région. Mais un groupe comme le vôtre, d'une habileté aussi évidente, parviendrait à Smyrne. Ouais. Bon. Ça, je crois que ça règle la question de base. Maintenant, il faut nous inquiéter de vos bonnes intentions.
Le colonel Elchi et quelques hommes sûrs vous accompagneront. Nous partirons au lever du jour. Et, gouverneur, tu crois pas qu'on a tort de négliger les avantages en nature? Allez vite prévenir le sultan que nous avons trouvé un moyen. Qu'on se dépêche de prendre des dispositions avec le Caire pour qu'un destroyer intercepte l'étoile de l'islam au large. Est-ce très prudent de mettre notre destin en de telles mains? C'est le moindre des mots. Si Mustapha Kayan et ses troupes atteignaient nos portes avant l'arrivée des renforts et s'emparaient de ça, pourriez-vous me dire ce que l'Empire deviendrait? Je vais partir immédiatement. Voilà l'autorisation de restituer le bateau. Je compte bien que vous veillerez à ce que nos amis si entreprenants soient indemnisés comme il convient. Amen. Un si joli nombril a l'air de s'ennuyer tout seul. Bon, à tout à l'heure, mon vieux. Que j'appellerai une bonne mise en train. Monsieur Corré, la moitié de vos hommes montera en tête, l'autre dans ce fourgon. C'est d'accord. Bolek. Allons-y. Si je n'étais pas dans la combine, je croirais que nous transportons quelque chose d'une valeur inappréciable. Oh, vous nous croyez imprudents. Quelle folie ce serait d'imposer une pareille tentation à des personnes aussi honorables que vous, messieurs. Et Mustapha Kayan lui-même n'aurait pas l'idée de s'emparer de ce train. Que le ciel vous entende. Après vous, je vous en prie. Merci. Yuzbaşı, hareket. Oh, puis on voyage en première. Monsieur Dyer. Oui. Voici votre wagon. Oui, bien sûr. Homme 40, chevaux 8. Oui. Sur le toit, une garde par roulement. Entendu. Wallen. Réveille-toi. Je me taperai la première garde. Je ne sais pas quelle espèce d'animal on a transporté là-dedans, mais il en reste un spécimen qui n'a pas bouffé depuis des semaines. Il va crever empoisonné, va. C'était vachement olé-olé hier soir. Tu as trouvé, toi? Quoi? Ce que faisait la fille au nombril spirituel. Elle essayait de joindre les deux bouts. Pas fait exprès.
fait, mais je sens que c'est ma classe. Et que nous bêtes belaïm. Je pensais à une chose. Il n'y a pas beaucoup de Turcs à bord. Alors, ou ils ont confiance en nous, ou il n'y a rien d'intéressant à voler. C'est franchement écœurant. Bon. Bah, réveille-moi pour le petit déjeuner, veux-tu? Te reposer, c'est pas de refus. Danke schön. Voilà, j'étais dans les parages et en passant par ici, j'ai eu l'idée de vous rendre visite. Bon, ben, ce sera pour une autre fois. Bon, ben, si vous insistez. Envy, la lumière. Oh. On dirait un conte des mille et une nuits. Ben. Si on m'avait dit qu'il y avait des couchettes, j'aurais loué. Dehors. Oui, madame. Où les mains, hein? Colonel, bonsoir. Vous avez perdu votre chemin. Eh bien, je crois en effet que... Ne vous inquiétez pas. C'est un des nôtres. Merci. Vous dirigez aussi un petit clan d'œil, colonel. Au risque de vous décevoir, je dois remettre les choses au point. Ce sont les filles d'Osman Bey. Et elle, qui c'est? Une petite orpheline. Ayla est la dame de compagnie de ces jeunes filles. Ah, je vois, l'honnête jeune fille pauvre qui travaille au père. Oh, ben... Maintenant que les présentations sont faites, on pourrait peut-être repartir. D'accord. Messieurs. Eh bien, ce voyage risque d'être moins rasoir qu'on pouvait le craindre. Tant que nous sommes arrêtés, messieurs, peut-être vous plairait-il d'examiner les autres wagons. Puisque vous le proposez, c'est pas la peine de le demander. Vous avez beaucoup de flair. Mm-hmm. Thank you.
voilà. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et je sais que vous vous méfiez de nous. Colonel, vous pensez à tout. Dans la mesure de mes moyens, j'essaye. Mustapha Kayam, lui, ne se méfiait pas de votre petit train. Hé, hey, regardez ça. J'espère qu'il y en a pour tout le monde. Plus calme, Bolek. Notre rôle est de manipuler avec ménagement et de livrer intact. Messieurs, je me chargerai du sort de ces demoiselles. Vous trouverez des jolies cavales à la prochaine étape. Le clou de la représentation est terminé. Au travail. Allons, avancez. Il y a des chevaux dans ce wagon. Faites-les sortir et scellez-les. Allez, chargez les mulets. Petit et très lourd. Je te le donne en trois. La vaisselle du colonel. Et peut-être en or. Bonjour, mademoiselle. C'est normal que la Turquie ait des embêtements. C'est déjà assez difficile de savoir ce que pense une femme sans voile. Et un visage comme le vôtre n'est pas fait pour être caché. Et vous, au moins, vous le savez. Je crois que vous avez vu trop de cartes postales. Chez nous, beaucoup de femmes ont renoncé au voile. Oh, sans doute des suffragettes turques. Nous rêvons de suivre la mode occidentale. Ce serait dommage. Rien à craindre. Les rebelles doivent être à des kilomètres d'ici, maintenant. Alors ne restez donc pas aussi près. C'est inutile. D'accord, mais est-ce qu'on sait ce que pense la population aujourd'hui? Tous les gens qui suivent Kayan sont de simples paysans, mais prêts à donner leur vie pour l'homme qui leur a rendu l'espoir. Des moutons qui suivent un berger. Oh, je crois que vous n'êtes pas très indulgente pour les petites gens et pour les humbles. Vous croyez qu'ils comptent? Il ne faut pas se laisser envahir par les mauvaises herbes. Mais... ce ne sont pas forcément des mauvaises herbes, si on s'en occupe un peu, qui sait si... Si vous les estimez tant, qu'est-ce que vous faites ici avec nous? Il faut pas le dire, mais j'aime pas voyager seul. Vous n'êtes pas ici pour faire des mondanités, monsieur Daya. C'est exactement ce que je disais. Je vous prie de rester avec moi, en tête de la colonne. Le devoir avant tout. Regardez, messieurs. C'est magnifique, n'est-ce pas? La Bible considère la Mésopotamie comme le berceau de l'humanité. Des siècles avant le Christ, c'est ici que se trouvait le centre culturel du monde antique. C'est très joli. Mais il n'y a rien de moderne chez vous? Nous allons passer la nuit ici, messieurs. Allons tous à Messine pêcher la sardine. Allons en Orient pêcher le...
Permettez-moi de vous aider. Monsieur Corée, le capitaine Enver est habilité à s'occuper d'elle. Tu sais, Adam, tu as raison. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Monsieur Dyer. Colonel. Vous cherchez quelque chose? J'étais certain de vous trouver par ici. Dites, ces caisses sont beaucoup plus lourdes qu'elles ne devraient. Vous l'avez remarqué? Ben, le contraire sera difficile. Vous êtes d'une intelligence rare, monsieur Dyer. Vous êtes comme Saint Thomas, vous ne croyez qu'à ce que vous voyez. Bon, revenons à nos moutons, nous parlions de caisses. C'est vrai. Oui. Douze caisses, ce qui fait environ 1000 kilos d'or. Le Caire, à cette époque-ci, c'est franchement invivable. Rome, par contre, Rome est une ville prodigieuse, lorsqu'on a les moyens d'en profiter. Comme c'est vrai ce que vous disiez de la fidélité et des uniformes. Monsieur Dyer, l'Empire ottoman est à l'agonie. Je n'ai aucune envie de mourir avec lui et je me doute du sort qui m'attend sous Mustafa Kayan. Vous disiez que vous aviez tout perdu pendant la guerre. La moitié de ce qui est là vous dédommagerait au-delà de vos espérances. Nous n'oublions pas quelqu'un en chemin. Vous seul en déciderez. Un lièvre rusé ne dévoile pas sa cachette à un renard qui a faim. Son rôle va se terminer à Smyrne. Le vôtre commencera. Oui, nous avons encore une longue route à faire ensemble. Qui sait? Nous deviendrons peut-être amis. Bon, colonel, j'y réfléchirai. Merci. La nuit porte conseil. Demain matin, vous aurez opté pour l'égoïsme, espérons-le. Smalachem, c'est d'ailleurs. Filamen, colonel.
Salam alaikum, Cheikh. S'il vous plaît, n'interrompez pas la noce. Nous ne resterons ici que jusqu'au coucher du soleil. Çok yaşa. İyi. Çok yaşa kızım. Buraya gelmekle bize şeref ver. J'adore les mariages. C'est le courage de l'innocence. Oui, mais c'est surtout le courage de l'inconscience. Les déceptions viennent plus tard. Comme nous tous. Mais nous, nous sommes plus malins. Et nous demandons plus à la vie. N'est-ce pas? Le colonel vous fait dire que nous resterons ici jusqu'au crépuscule. Oui. Marquez les chevaux ici. Attachez-les. Vous avez perdu votre chemin? Je ne pense pas que le colonel comptait nous faire partager cette chambre. J'ai cru à une invitation, le verrou n'était pas tiré. J'allais m'allonger. Me faites comme si j'étais pas là. Le colonel n'apprécierait pas du tout votre présence ici. C'est lui que vous attendez? Ça vous dérangerait peut-être. Beaucoup moins que d'autres petites choses. Dites-moi. Ce serait certainement très mal de vous abandonner ici, mais quand Joss apprendra qu'il s'agit de plomb doré, ne comptez pas trop sur ses bienfaits. Doit-il le savoir, Adam? Oh, une proposition à me faire. Il date de l'époque de Soliman le Magnifique. À cause des guerres, le sultan a mis en sécurité à l'intérieur du pays tous ses trésors. Les sultans peuvent se gourer. C'est pas étonnant que Kayan se soit intéressé à Strin. Il me faudrait l'appui d'un homme qui partagerait avec moi, un homme en qui j'aurais confiance. Bon, oui, d'accord, mais il y a un petit problème. Je ne veux pas que Joss croie qu'on le tient à l'écart. Oh, vain Dieu que je suis content que tu aies dit ça. Ça m'aurait fait beaucoup de peine si je t'avais tué. Elle est persuasive, hein? Je me demandais si tu aurais la curiosité de t'intéresser à ces caisses. Tu savais que c'était pas de l'or? J'ai un flair terrible pour les attrape-couillons. Pourquoi ces faux lingots? Pour distraire l'attention de ce qu'il faut protéger. Grâce à cette perle de l'Orient,
Nous allons faire en sorte que ces pierres précieuses parviennent à leur légitime propriétaire. Toi et moi. D'accord? D'accord. Que se passe-t-il, nom de Dieu? Voilà les Grecs, Joss! Toute une foutue armée grecque! Pourquoi ces abrutis nous canardent puisque nous sommes leurs alliés? Si nos alliés sont tellement à l'ouest, c'est qu'ils sont en pleine débandade. Fais! Donnez l'ordre de hisser le drapeau blanc! D'accord! Fais! 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 Amenez trois chevaux derrière l'auberge en vitesse. Exécution. À vos ordres. Fais! Fusée blanche en signe de réponse. Abride abattue, dans deux jours nous serons à Smyrne. Sur l'étoile de l'islam. Pour les amants et les voleurs, il y a un dieu. Avant même que le sultan ne découvre notre fuite, nous serons bien loin. Aucune trace d'Enver, mon colonel. Accueille les officiers grecs. Je vais à la recherche de notre sultane. Nos chers amis si entreprenants ont l'air de s'intéresser énormément à toi. Eddie, Bronco, ouvrez immédiatement les barrières et laissez entrer nos alliés. Quoi, on a changé d'alliés? On peut dire que ça lui ressemble, ça. Il choisit la sortie facile. Vous alliez quelque part? Avec vous, si c'est ce que vous voulez. J'aurais dû le laisser vous tuer. Ça serait fait si vous n'aviez pas besoin de moi. Bons alliés ont rompu leur alliance. Il faut que les Américains cessent de croire qu'ils réussiront à changer le monde. Peut-être vous apprendrez un jour qu'il est très difficile d'être généreux dans la défaite. Mais oui, commandant, je sais tout ça. Et croyez bien que cette guerre ne nous concerne pas. Nous, ce que nous voulons, c'est quitter la Turquie et nous sommes prêts à payer pour ça. Mais avec quoi? 1 million en or. Joss, les chevaux attendent. Laisse-moi réfléchir. Dans la vie, il y a un moment où il faut se prononcer sur de véritables valeurs. Écoutez, je sais que vous vous rendez à Smyrne. Nous, on y va aussi. Alors, 200 hommes voyagent beaucoup mieux que 20. Adam est mon ami et il n'est pas à la noce. Et je sais qu'il va me manquer. Viens. Il y a les filles du bay. Toutes les trois doivent avoir la vie sauve. J'y tiens essentiellement. Accordé. Bon, alors ça va. Si... vous avez l'or.
J'ai l'or. Il y en a encore 11 comme ça. Capitaine. Commandant. Postez les sentinelles. Et que ça saute, capitaine. On dort ici cette nuit. Départ à l'aurore. Commandant. Madame. Qu'est-ce que c'est que cet or? Jamais j'en ai entendu parler. Eh voilà, Just ne tenait pas à vous le cacher, mais il hésitait à accroître le poids de votre responsabilité. Vous le connaissez, il pense toujours aux autres. Pêchez ça par la fenêtre. Bolek. Il est mort. Il est mort. Ils ont foutu le camp. Ils ont foutu le camp? Eh ben, ça renforce mon opinion. Joss est allé en avance avec la fille pour s'assurer que le bateau ne lèverait pas l'ancre sans nous. C'est un exemple de loyauté et de dévouement assez remarquable. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court après Saligo. On aurait au moins dû se faire donner des chevaux. On ne pourra jamais suivre le train monté là-dessus. Ce commandant a pris pour un imbécile. Lui, il en a. Et nous n'avons que sa poussière à nous mettre sous la dent. Oui, mais attendez qu'il essaie de le dépenser. Excellent, messieurs Dyer. Je suis très content d'avoir gagné. Nous ferons mieux une autre fois avec vos camions. Quelle chance d'avoir l'humour. Ça donne beaucoup de philosophie. Oui, j'aime à vous l'entendre dire. Vas-y, on fait le larron. Les camions. Pas une minute à perdre. Allons-y. Thank you.
Pourquoi est-ce que ces gens foutent le camp? Où iront-ils? La panique. La moitié de la population de Smyrne est grecque. Les Turcs du coin ont évidemment soutenu le sud. Et tu devines ce qui va se passer quand l'armée de Mustafa Kayan va arriver ici. Pan, pan. Ce camion au milieu de la rue. Commandant, nous essayons de trouver l'étoile de l'islam. Encore ce rafio de malheur. J'ai l'ordre de protéger la vie et les biens des citoyens américains. Je ne suis pas chargé de briquer ce vieux sabot. Ça, c'est le rôle de l'équipage. Dites-nous, il est amarré. Sergent, conduisez ces hommes à notre PC. Vous avez dit la vie et les biens des Américains. Alors, l'étoile de l'islam est un bateau américain. Vous cherchez une occasion de vous faire tuer. Commandant, au point où en sont les choses, il pourrait rendre des services. Je crois que tout ce qui flotte aidera à sauver des vies. Ne gaspillez pas cette chance. Allez, sergent, donnez-leur leur bateau. Bien, commandant. Vous ne le regretterez pas. Et faites-moi circuler ces gens. Allez, allons-y. Fermez cette barrière. Voilà. Il est à vous. Dieu vous entende. Merci. Bonne chance, les gars. Ça va, on peut partir. Vous avez mis le temps. On tourne au poste. Où sont les autres? Les autres ne pourront plus venir, Joss. Eh ben, on a raison de dire. On est réellement peu de choses. Ah, t'as le goût du tragique ce matin. Je ne suis pas un comique, moi. Il y a des problèmes qui doivent être résolus immédiatement. Davis, poste des sentinelles sur le pont. Rhys, Valen, allumez les chaudières. Venez, vous autres, suivez-moi. Quand l'incendie fait rage, la confiance qu'on peut accorder à certaines valeurs évolue. Rentrons. Oh, Adam, je sais ce que tu penses et tu as raison de le penser. Mais tâche aussi de comprendre que je n'ai pas une enfance heureuse. Rentrons. Adam, il est chaud. Allez, défends-toi. Et après, qu'est-ce que ça prouvera? Ça pourrait être intéressant de le savoir. Vous avez fait une belle excursion? J'en ai pour 10 ans à me remettre. Capitaine, votre bateau. Signé, scellé et livré. Tu vois? Il faut avoir confiance. On peut mentir, voler, trahir, tout en étant un type bien. Ben oui, mais c'est pas de ma faute, moi, si je suis borné. Enfin, j'ai récupéré mon bien. Joss, je vais te rendre un énorme service. Ah, quel service? Tous ces bijoux, là. Ça vaut sûrement plusieurs millions. Oh, facile. Oui. Joss, tu sais ce que cet argent ferait d'un type dans ton genre? Tu n'aurais plus de plaisir à rien. Assure-toi. Joss, j'aurais trop de chagrin, je ne te laisserai pas faire cette folie. D'ailleurs, cette fortune va être ici d'un grand secours pour énormément de gens auxquels elle doit revenir.
Désolé de te dire ça, Adam. Quiconque voudrait s'emparer de ce trésor devra passer par-dessus mon cadavre. Et si je le faisais? On dirait qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, hein? Voilà des soldats qui, pour se faire rapatrier gratuitement, sont enfin prêts à se battre. Allez, on appareille! Larguez les amarres! On lève l'ancre. Joe, on lève l'ancre! Quelle que soit la pression, je m'en fous! Faites tourner les machines! L'arbre de l'hélice est faussé. Dieu n'est pas avec nous aujourd'hui. Oh, il monte sur le pont! Thank you.
Reste tranquille. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer, voyons. Joss, viens voir. Regarde ça. Nous allons faire partie de la prochaine fournée. Amusant. Très amusant. Bon. Eh bien, rien ne t'empêche de voir aussi le bon côté des choses. Tu ne risques plus d'avoir des embêtements d'argent maintenant. Tout le mal qu'on s'est donné. Et Ayla nous a roulés comme des enfants. Oui, il faut peut-être lui faire confiance. Cette fille a des dons étonnants. Ah oui, ça, elle est douée comme un requin. Comprends-la. Tu es toujours contre elle. Ah, tout contre, j'aimerais bien. C'est le genre de femme qui oblige un homme à surpasser pour être digne d'elle. Avec l'idée que tu te fais de la dignité, ça risquerait de t'entraîner foutrement loin. Messieurs, Mustapha Khayyam vous attend. Venez. L'œil tourné vers l'avenir, allons-y. Oui. Soyons toujours du côté du monde. Oui, allons-y maintenant, allons-y, mon vieux. Allons vite. Restez là. Le trésor de Soliman, voulez-vous me dire ce que vous en avez fait? Ne gardez pas la moindre illusion. Je connais dans ses moindres détails votre voyage depuis Balakassir jusqu'à Smyrne. J'en étais sûr que nous étions possédés. Ben, si tu le savais, tu aurais pu me le dire quand même. Il n'y a pas de jeu sans gage, messieurs. Ne permettez pas à la cupidité de vous empêcher d'avoir un meilleur jugement. Je n'ai pas les pierres précieuses. Les prix, je les ai pas non plus, moi. Et j'en dirai autant. Donc, un de nous se trompe, ça ne fait pas de doute. Ah, Ayla. Jeanne d'Arc était une poule mouillée comparée à toi. La seule chose qu'elle avait donnée pour son pays, c'était sa vie. Une femme peut aimer son pays et rester quand même une femme. Plus tard, tu comprendras ça, Joss. S'il vit assez longtemps. Cette cassette serait entre mes mains intactes. Vous et vos hommes, vous seriez à présent en sécurité dans votre ambassade. Il est encore temps. Général, nous sommes assez subtils pour comprendre qu'on ne s'évade pas d'un cercueil. Si nous savions où est ce trésor, nous vous le dirions. Il est possible qu'ils disent la vérité. Quand la cassette a été fendue, les pierres ont pu tomber. Elles sont probablement encore à bord du navire. Dans une épave qui a brûlé et qui se trouve au fond de la baie. Dans tous les cas, ils ont accompli leur mission. Le Coran du calife Osman est en bonne main. Les traîtres. Il y en a même au sein de mon armée, on tente de s'en saisir. Ils ont attaqué le train dans ce but. Mais alors on a fait tout ça pour un bouquin? Il fallait nous mettre dans le coup. Ça aurait facilité les choses, je vous assure. Général, permettez. Le Coran d'Othman
Est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Tout ce que je sais, c'est que c'est un des livres les plus précieux qui soit au monde. C'est beaucoup plus qu'un livre précieux. Vous savez que le Coran d'Othman était le symbole de la prédominance politique aussi bien que religieuse de notre pays pendant 1300 années. Le sultan, s'il l'avait eu en sa possession, aurait rassemblé tout le monde musulman contre nous. Excusez-moi, général. Vous êtes un gars à la hauteur. Je crois que vous et moi, nous avons le devoir de nous épauler. Étant donné le peu que j'ai fait, je ne demande pas de récompense. Mais mon ami Adam, lui, il a un problème. Il a tout perdu. Je me demande pourquoi. Vous êtes venu ici dans le but d'exploiter nos malheurs. Vous étiez prêt à toutes les extrémités à condition d'avoir ce que vous vouliez. Si je prenais ma décision en ne me basant que sur ça, je vous ferais fusiller. Néanmoins, il y a une femme qui vous fait confiance. Ça, et le fait que vous avez quand même rendu à mon pays un service d'importance exceptionnelle, malgré vos intentions, m'incline à faire preuve de clémence. Vous êtes libre de quitter la Turquie. N'y revenez jamais. C'est un conseil. Plus j'y pense, moins je suis d'accord. Après tout ce qu'on a fait pour lui, il aurait pu nous offrir... un souvenir. Arrête de prendre les choses au tragique. Ce souvenir, ça aurait pu être 12 balles dans la peau. Joss, j'aurais bien voulu connaître l'homme, et non le mercenaire. Le trésor, en vérité, il n'est pas tombé de la cassette. Reconnais-le. Oh, Joss. Vous ne le convaincrez jamais. Après tout, on est associés. Il nous reste encore le vaste monde qui nous attend avec impatience. Il y a les Balkans, l'Amérique centrale, l'Extrême-Orient. Des hommes ayant l'expérience qu'on a sont très demandés. On a des dons particuliers, toi et moi. Et une équipe pareille est capable de tout. Tu veux me faire plaisir. Épluche et ferme-la.